Et salut les Tadouniens. Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu particulière. Donc vous avez vu, hein, c'est une vidéo boîte aux lettres. Voilà, donc une ouverture de courrier. Le mois dernier, il y a quelques semaines de ça, Marie sur ses lives avait avait donné comme défi d'envoyer une carte de la Saint-Valentin à Tadoun. Tadoun, c'est moi. Voilà, et donc quelques copinettes se sont pris au jeu. Et donc j'ai tout ça, voilà, vous voyez un petit peu, à ouvrir. Donc je vais essayer d'ouvrir dans l'ordre de réception. Voilà, donc toutes ces copinettes, bon, elles fréquentent les lives de Marie, et donc c'est toujours un réel plaisir de les retrouver le samedi soir et occasionnellement le dimanche quand Marie est occupée. Voilà, donc ça c'est encore une bonne idée de Marie. Hein, la Marie? Bon, alors on va commencer tout de suite parce que sinon j'ai peur que ce soit un petit peu long. Et voilà, et donc parce que là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il y a 7 choses à ouvrir. Alors au départ c'était juste une carte, évidemment. Mais voilà, je pense que toutes les copinettes des week-ends de la Marie n'ont pas la définition de la carte. Hein. Donc je vais vous mettre sur les mains et on va commencer à ouvrir déjà tout ça. Alors là, ça me vient de Marie-Noël Stévan. Alors Marie-Noël n'a pas de chaîne, d'autres celles qui auront une chaîne, évidemment, je le mettrai en barre d'infos. Et voilà, donc cette très très jolie carte de Marie-Noël. J'aime beaucoup, voilà, se présente comme ça. Voilà, donc je vais lire le petit mot, c'est à l'envers. Bon, ben vous verrez la carte à l'envers, hein, tant pis. Donc tu recevras une tonne de cartes, ouais, enfin en tous les cas c'est quand même beaucoup de choses à ouvrir. Donc mais écoute Marie-Noël, moi aussi je t'embrasse, et puis écoute, merci d'avoir joué le jeu, quoi, parce que en plus ta carte elle est très 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 jolie. On la met là, ça c'est Marie-Noël. Donc, et donc moi évidemment, donc toutes elles m'ont mis leur adresse au dos. Et donc moi, je m'engage évidemment à répondre à toutes ces petites copinettes. Alors là, c'est Florence Flo de la chaîne Univers Scrap. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a mis Florence? Voilà. Oula, il y en a des choses. Voilà, je pense que Florence non plus n'a pas la définition du mot carte. Il faut réviser tout ça. En tous les cas, elle a la définition du mot gourmandise. Oh, j'adore cela, là, les crémas, là, les batnas. Wow. Alors ça, j'adore. Voilà. Ben ça, oui, aussi. Voilà. Des petits bonbons. Je les mets de côté. Alors, ah oui, ça, c'est le kiss. J'avais envoyé un kiss à Florence. Et donc, elle m'a répondu un kiss. Donc, on va regarder d'abord celle-là. Hein, on va faire comme ça. On va défaire ça doucement. Je vais mettre sur le pied de l'appareil photo. Ah ouais, hein. Parce que en plus du papier de soie bleu, ça va être sympa. Hop, un autre petit morceau. Ah, j'ai déchiré, quelle nouille. Bon, c'est pas bien grave. Toujours s'en servir pour des petites bricoles. Papier de soie, c'est toujours très très sympa. Waouh. Eh ben dis donc, elle est sublime. Franchement, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Alors là aussi, c'est pareil. Une très très jolie carte. Rendez-vous avec l'amour. Être deux, c'est être heureux. Rien que nous. Les autres n'existent plus. Bisous, 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 bisous. Ben moi aussi, je te fais des bisous, 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 bisous. Je lis la carte, hein, excusez-moi. Oh, c'est gentil. Voilà, elle aussi, elle a joué le jeu et elle me dit qu'elle en profite pour joindre le kiss en retour du mien. Voilà. Eh ben, ouais.
Merci encore pour ton envoi pop-corn. Oui, parce que c'est Flo qui avait gagné l'envoi pop-corn du 19, du 9, du 9 février. Voilà, 19 janvier, 19, je ne sais même plus la date. Oula, ça va vraiment pas, du 19 janvier, la journée du pop-corn. Voilà, alors je vous avais. Alors, je fais cette vidéo un petit peu tard parce que on revient à peine du restaurant. Et on revient du restaurant parce qu'on est parti tard. Alors, mon chéri devait venir me chercher à la gare en sortant du boulot, donc pour midi. Mais hélas, il était en télétravail avec sa responsable qui, bon, on ne dira pas que c'est une buse, mais qui est une buse. Et voilà le kiss de Florence. Il est très joli ton kiss, j'aime beaucoup. Très 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 joli. Alors j'espère que t'as pas fait comme moi et que t'as pas oublié de marquer qui le kiss. Je le vois pas, mais comme moi je suis pas très douée. Nanana. Alors, pou 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 pou. Il doit être peut-être là, ouais, dans le pli de la robe. Tu me diras si c'est ça. Je pense que tu l'as mis en tout petit là. Voilà, j'ai trouvé le kiss de Florence. Voilà, donc Florence, elle aime les animaux, les enfants, la nature, la mer et elle aime Paris. Voilà, et alors, ça c'est ce qu'elle adore, hein. Par contre, elle aime le rose, le violet, toutes les couleurs, toutes les cartes ATC, ABC, Kiss, Memory Dex et tous les autres formats. D'ailleurs, elle a fait une série de vidéos sur tous les formats. Hein. Et elle déteste les mensonges, la jalousie, l'hypocrisie, les personnes agressives et les personnes fausses. Voilà, donc ça, c'est le kiss de Florence. Alors, je regarde à combien j'en suis. 7 minutes. Donc, on peut encore ouvrir celui-là, c'est celui de Béa. Béatrice. Donc, Béatrice du Sud. Hein? Donc, voilà. Du Vaucluse? C'est le Vaucluse, le Var, le Var, je sais. Enfin voilà, de là-bas. Là aussi, encore plein, plein, plein de choses. Alors, j'ai la table qui est pleine. On l'a quatre. Alors déjà, il y a plein de cadeaux. Super. Papier. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Oh, c'est trop bien, papier cristal. Bon, je vais peut-être regarder la carte. Ça, c'est mes cadeaux, donc c'est pour moi. Je n'ouvrirai pas tout. Nananère. Alors, là, ça doit être la carte. En plus, vous avez toutes mis du washi, trop sympa. Tadoun, c'est moi. Voilà, ça c'est la carte de Béa. Voilà. Et donc moi, j'ai plus qu'à effectivement à rouvrir, à répondre à toutes ces cartes. Ça c'est trop beau. J'adore ce papier. C'est génial. Je vous la mets là pour que vous la voyez un peu pendant que je me délecte du petit message de Béatrice. Oh, bah oui, ça c'est sûr, rouge et noir. Voilà, en plus, bah, tu le savais peut-être pas, mais Stendhal fait partie de mes auteurs préférés. Donc, c'est vrai que tout le monde sait que je suis très attachée aux mots et à la littérature, donc c'est assez facile à deviner. Donc là, on a une petite pochette, toujours en rouge et noir. Donc là, petit morceau de dentelle. Wow. Il y a plein de petites pochettes avec des cœurs. Waouh! Oh non, mais c'est. Oh là 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 là. Bon, je vous les montre, hein, mais c'est que pour moi. Là, encore des stickers romantiques et tout. Des petits tags, j'adore ça. J'adore en plus des tout petits là, pour coller un peu partout dans tout ce que j'aime. Parce que moi, vous savez, j'aime tous les petits formats. J'aime excessivement les petits formats. Là, c'est des petits cadres. Wow. Alors là, Béa, merci, 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 bisous, bisous, bisous. Voilà, bah comme déjà à Flo et à Marie-Noël, à toutes les trois déjà. Oh, mais c'est trop beau! Je sais pas si vous voyez. Puis là, c'est sous plastique. Alors, ah, si ça fait pas trop de bruit, je vais essayer. Voilà, je vous en montre quelques-uns. Donc, c'est des stickers. Donc là, c'est avec la musique. Eh, mais c'est trop bien! Mais franchement, oh là là! Ah mais ça, je suis trop fan.
Oh là là. Du coup, je manque de vocabulaire. Je suis désolée. J'en perds mon vocabulaire. Mais faire des O, des A, à part ça, ça va être un peu compliqué. Alors là, ben, ça c'était donc ça, il faut que je réponde. Donc A, B, A. Oh non, mais en plus, j'adore la pochette. Non, mais sans rigoler, j'allais dire un gros mot. C'est somptueux. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est vraiment trop, trop beau. C'est trop, trop beau. Même pour une tanine, c'est trop, trop beau. Si, si, je vous assure. Ouais. Ouais, moi, je la connais, Tadoune, et je n'aurais pas offert tout ça. Hein. Non, non, je vous assure. Alors, là, on a encore le temps. Oui, 10 minutes. Alors là, c'est Sophie. C'est Sophie, Sophie. C'est notre petite Sophie. Qui est Fofi. Qui est Fofi. Fofi. Alors, Fofi. Alors, Béatrice non plus n'a pas de chaîne. Donc là, dans les trois qu'on a passées... Pour l'instant, il n'y a que Flo qui a une chaîne. Voilà. Et Sophie. Parce que Sophie, c'est. Je ne sais pas si elle est active, ta chaîne déjà. Je ne me rappelle déjà plus. Alors, les créas de Sophie Scrap. Sofie. Sophie Scrap. Voilà. Oh là 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 là. Minutieuse. Amitié, minutieuse. Bienveillance. Bonne humeur. Oh, c'est trop gentil. Ah, donc elle me dit que ces petits sentiments, amitié, minutieuse, bienveillance et bonne humeur me ressemblent beaucoup. Ben écoute, Sophie, merci, merci. Donc j'ai ton adresse donc pour répondre. Donc et de trois à répondre. On est toujours dans les temps. Alors là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est Nani. Notre Nani. Voilà. Je suis munie des ciseaux parce que je me suis dit quand même. Voilà. Oh. Là, c'est Nani. Alors là, je rigole parce que je n'ai pas vu l'adresse. Vraiment. Les timbres n'ont pas été oblitérés. Voilà. Oh là 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 là. Oh. Alors Nani, elle fait des super fond, elle fait des papiers magnifiques, mais franchement, j'adore. Faut aller sur la chaîne de Nani et là vous verrez Nani Scrap. De toute façon, je mettrai le nom des chaînes, hein, donc vous aurez juste à cliquer pour voir ce que font ces jeunes filles. Voilà. Là, là, là. Alors, Marie avait. M'avait choisi, j'allais dire, m'avait choisi comme cible, avait proposé de m'envoyer à moi, personnel, à moi, c'est moi, à Tadoun des cartes de Saint-Valentin, parce que Tadoun, elle s'est mariée l'an dernier, en septembre, et donc c'est une mariée de moins d'un an, donc voilà, une novie, comme on dit dans les. Le plaisir se ramage, la joie se cueille, le bonheur se cultive. Eh, c'est pas beau ça? Ah non, mais franchement, j'adore. Oh là là. Faudra que je reprenne tout en détail après. Donc ça, c'est du serviettage. Les fonds de Nani, hein, évidemment. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Je suis trop gâtée. Une ATH. Eh bien, je vais vous faire rire, je crois que c'est la deuxième ATH que je reçois. Ouais, alors, moi, le seul ATH que j'ai fait, je crois que c'était pour un défi. Hein. Mais, et encore, ouais, je crois que j'ai fait un défi ATH. Sinon, je ne fais jamais d'ATH. Voilà. Voilà, oui, c'est ça. C'était le défi ATH de Natacha Sébricole et ses bidouilles sur son groupe. Et franchement, oh, il est magnifique. Oh, j'adore. Voilà, et donc il fallait mettre du rose. Hein. ATH rose avait demandé sur son groupe Natacha. Voilà, ça c'est pour Nani. Attends, il y a encore plein de choses. Oh, une petite pochette à thé. Ah, mais c'est trop chou. Oh là là. Quelle heure il est? Oh, ben, je le ferai peut-être tout à l'heure, tiens. Mettre de côté. Et alors là, pareil. Ah ouais, alors là, c'est les fonds que nous fait Annie. Que fait Annie? Fait Nani Scrap. Oh non, mais ils sont trop. Mais c'est trop bien.
Elle fait de superbes fonds. Et là, elle a fait plein de petits cœurs en découpe sur ses fonds. Je trouve ça. Mais vraiment trop, trop, trop bien. Non, mais sans rire, regardez celui-là, comme il est beau. Alors, je sais pas si vous voyez. Ouais. Waouh. Alors là, on est déjà à 15 minutes. Je vais faire la petite enveloppe que j'ai reçue. Voilà. Hop. Voilà, donc là, je ne sais pas. Il n'y a pas de nom au dos. Hein. Je ne sais pas qui c'est. J'ai un doute, mais je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas qui c'est. Mais j'en étais sûre. Voilà, j'ai reconnu ton écriture. Et donc ça me vient de notre autre Béatrice, donc Béatrice Création Altea, donc elle a une chaîne également. Vous verrez, elle nous fait beaucoup de... Elle nous fait de l'art journal, elle nous fait des trucs vraiment pareils, hein, toujours très très jolis. Elles sont vraiment... Je ne sais pas si... Là, peut-être que vous allez voir la carte comme ça. Hop là. Oh. Franchement, c'est trop mignon. Bah écoute Béatrice, franchement là, elle est vraiment superbe, plein de petits cœurs. Et non mais sans rire, elle est vraiment trop 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 jolie. Voilà, donc là on est à 16 minutes et on va ouvrir le colis de notre expatrié en Espagne. Donc notre petite Delphe. Alors là, je ne sais pas trop où je vais faire par là. Bon, je sais à peu près hein, ce qu'il doit y avoir dedans, parce que on avait prévenu. Oh, je vous ai fait bouger, excusez-moi. Bon, j'ai ouvert à l'envers. On a du papier. Oh, c'est bien ça. Du papier Paris. Voilà, parce que Delphes est une ancienne parisienne aussi. Hein. Voilà. Hop là, une petite carte, un mini album. On va mettre plein de cartes comme ça dessus. Voilà. Voilà, donc ça, c'est assez sympa. Voilà. Une petite. Oh là, ça c'est trop chou. Petite pochette. Qu'est-ce qu'elle nous a mis, la petite mère de fille? Oh, là il y a un petit nœud. T'es pas la reine des nœuds, toi. Hein. Voilà. Voilà, en dépit, ça fait un petit accordéon. On met des petites photos. Je trouve ça trop sympa. Et là, pareil. Alors là, il y a. Oh là là, il y a plein de petites choses là. Des petites étiquettes. Trop bien. Trop, trop bien. Et là. Oh, c'est pour mettre au crayon. Voilà, hop, on va lui remettre ses lunettes. Voilà, c'est pour mettre en bout, hein, au bout d'un crayon. Oh, trop bien, je vais mettre ça au bout de mon crayon en papier. Voilà, on n'est pas fini de le voir. Voilà, donc je vais refaire le nœud de Delphine. Je suis désolée, je t'ai encore appelé Delphine, je sais que t'aimes pas ça. De Delphes, voilà. On va refermer sa petite pochette. Donc... voilà, voilà, voilà. Donc là, c'est Delphes Cré... c'est quoi ta chaîne déjà? Delphes Créa. Delphes Créa, je crois. Créa, c'est... Voilà. Là, c'est... Oh, bah, c'est... Voilà, mais ça, c'est la TC qu'elle avait fait en tuto. Regardez, il y a plein de petits cœurs dedans. J'adore. Regardez comme il est joli. Voilà, love. Voilà. Alors, par contre, si moi, j'adore travailler les petits formats Delphine... c'est pas du tout son truc et franchement il est quand même super réussi. Alors merci ma Delphes et franchement regarde plein de petits cœurs. Je vais refermer tout de suite parce que j'ai peur qu'il y en a qui voilà, il y en a qui essayent de s'échapper. Et moi je veux pas qu'il y ait des cœurs partout parce que les cœurs ils sont que pour moi. Voilà, donc ça comme ça. Alors et là voilà, ça c'est le cadeau qui était prévu. Voilà. Alors, c'est la tasse par Big Bang Theory, donc Sheldon Cooper. Parce que si on a quelque chose en commun avec Delphes,
c'est notre série préférée, donc The Big Bang Theory. Moi, je suis assez fan et visiblement Delph aussi. Et parce que c'est une série qui me fait vraiment très, très, vraiment rire, quoi. Voilà. Alors, ben, cette fois, je vous ai tout montré dans un temps record. J'espère que vous avez eu le temps de tout voir. Voilà. Alors moi, maintenant, il faut que je m'attelle à répondre à tout le monde. Donc, je vous mets les chaînes de mes copinettes en dessous. Et puis, Béatrice et Marie-Noël, eh ben, merci encore. Merci beaucoup. Et merci à toutes, parce que franchement, moi, j'ai un réel plaisir à aller sur les lives de Marie pour vous retrouver le samedi soir, parce que franchement, c'est une équipe très, très sympa. On rigole bien, c'est bon enfant. C'est toujours assez bienveillant et ça manque cruellement sur d'autres espaces. D'autres, voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est le live où je me sens le mieux, en fait. Même si je fréquente d'autres lives auxquels je participe et que j'aime beaucoup, hein, j'ai quand même un petit faible pour le live du samedi soir chez Marie. Voilà. Donc Marie, elle nous invite le samedi soir chez elle. Et franchement, c'est vraiment une réunion entre amis et ça, c'est formidable. Et bien écoutez, on a réussi à ouvrir tout ça en moins de 25 minutes. Donc je ne vais pas en dire plus pour pas que ça dépasse. Je vous remercie, je suis assez émue. Voilà, donc derrière moi, je vais vous montrer mon cadeau de Saint-Valentin. Regardez, c'est pas beau ça? Hein? Voilà. Je le remets là. Voilà, et donc je vous souhaite à tous donc, une excellente Saint-Valentin. Il pleuvait, maintenant il y a le soleil qui réapparaît, donc ça c'est formidable. Je vous fais une bonne après-midi. Je vous fais d'énormes bisous, 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 bisous. Et puis à tous mes tadouniens, et ben protégez-vous. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous amuser. Bisous, bisous, c'était Tadoun. Bien. Yes.